Dans cette vidéo, je vais vous partager comment gagner jusqu'à 300 euros par jour en utilisant l'intelligence artificielle de ChatGPT. On est en 2023 et si vous ne savez pas encore comment faire de l'argent avec l'intelligence artificielle de ChatGPT, alors vous êtes en retard. Si tu ne connais pas le ChatGPT, c'est simplement un outil qui va te permettre d'avoir la réponse à n'importe quelle question. Il suffit simplement de lui demander quelque chose et en quelques secondes seulement, il va commencer à te répondre. C'est une intelligence qui est vraiment infini et qui va aussi continuer à apprendre. Vous allez voir tout de suite qu'il n'est pas compliqué de gagner de l'argent avec le ChatGPT. Si vous êtes un débutant et que vous ne savez pas du tout comment utiliser le ChatGPT, ne vous inquiétez pas, je vais vous partager étape par étape comment il faut le faire. Donc pour le faire, vous avez besoin de créer un compte. Pour cela, vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper ChatGPT OpenAI. Et ensuite, vous allez venir à cliquer sur le premier lien qui va être affiché au niveau de Google, Introducing ChatGPT. Et ensuite, vous avez OpenAI qui est là. Donc, vous allez venir à cliquer sur ce bouton qui est là, Try ChatGPT, qui signifie tout simplement essayer. Et ensuite, si vous avez déjà créé un compte, donc vous allez venir à cliquer sur Login. Ça veut dire connexion, ou sinon vous allez cliquer sur sign up, donc qui signifie inscription. Donc à ce stade, ChatGPT va vous demander trois informations principales. Il va vous demander votre adresse email, il va vous demander de créer un mot de passe et ensuite il va vous demander de renseigner un numéro de téléphone. Une fois que le compte est créé, vous allez voir une page qui ressemble à celle-là. Ici vous avez le chat et ici vous avez quelques exemples que vous pouvez utiliser afin d'avoir des réponses concrètes avec le ChatGPT. Et plus tu es précis avec le ChatGPT et plus tu as la chance d'avoir des réponses qui sont aussi précises. Donc, je vais par exemple demander au ChatGPT de m'apprendre en Asie. Donc, je vais venir demander ici au ChatGPT, bonjour ChatGPT, apprends-moi en Asie pour un programme de 15 jours. Et donc là, il va réfléchir et comme vous voyez, il est en train de me répondre presque instantanément. Donc, voici un plan en plusieurs étapes pour t'aider à progresser. Étape 1. Familiarisation avec l'eau. Commence par te familiariser avec l'eau en entrant progressivement dans une piscine peu profonde. Apprends à te détendre dans l'eau et à respirer calmement en gardant la tête hors de l'eau. Donc vous voyez, le ChatGPT est en train de me répondre presque instantanément et il me donne des étapes que je peux vraiment suivre. À chaque étape que le ChatGPT me donne, il donne aussi des explications et des instructions à suivre. L'idée que vous pouvez utiliser par exemple pour gagner de l'argent avec cette simple question, parce que le ChatGPT il peut créer des choses comme des extensions par exemple ou des applications. Donc mais vous devez avoir une idée précise sur comment vous pouvez utiliser ces réponses ou ces outils que le ChatGPT va générer pour vous afin de gagner de l'argent. Vous pouvez créer un blog sur la natation et de demander au ChatGPT de vous donner des idées d'articles que vous pouvez publier sur votre blog afin de générer du trafic. Ne vous inquiétez pas, je vais vous partager comment il faut faire ensuite pour monétiser ces blogs par après. Donc, je vais lui demander, donne-moi 15 idées d'articles à publier sur un blog de natation. Et puis, je vais encore une fois l'attendre et le ChatGPT va commencer à générer ces idées d'articles. Donc, vous voyez, voici 15 idées d'articles que tu peux publier sur ton blog de natation. Les bienfaits de la natation pour la santé et la forme physique. Conseils pour débutants. Comment se lancer dans la natation. Ce sont des choses que moi-même, je ne connaissais pas du tout. Mais le ChatGPT est en train de me générer ces idées. En moins de 30 secondes, on est arrivé à la 15e idée d'article de blog. Une fois que vous avez un blog comme ça sur la natation, vous pouvez encore une fois demander au ChatGPT de vous créer des contenus sur ces idées d'articles. Avec la première idée d'article, je vais prendre celui-ci. Donc vous pouvez par exemple lui demander, ChatGPT, écris-moi un article de 600 mots avec des titres HD et H3 pour les moteurs de recherche. Ça c'est très important. Donc ici vous allez coller le titre de votre article et puis vous allez
simplement laisser le ChatGPT vous donner des réponses. Le ChatGPT est en train de me donner un article de 600 mots avec le contenu. Donc, plus vous êtes clair avec le ChatGPT et plus vous avez des réponses qui sont aussi claires. Et voilà, le ChatGPT m'a généré un contenu qui est absolument complet sur les bienfaits de la natation pour la santé et la forme physique. Voilà, c'était une idée d'article que je ne connaissais pas du tout, mais c'est le ChatGPT qui m'a donné cette idée d'article. Et ensuite, je lui ai demandé de me créer un article de blog de 600 mots. Maintenant, pour les personnes qui vont me dire qu'ils ne savent pas du tout comment créer un article de blog, vous avez par exemple une vidéo d'Olivier Roland qui vous a à créer et installer un blog en moins de 5 minutes. Mais si vous voulez aller plus loin et très rapidement, vous avez aussi une formation qui vous apprend à créer un blog en quelques heures seulement. Donc avec tous les petits détails et tous les paramètres. Ça c'est vraiment une idée parce qu'avec un blog, vous pouvez générer beaucoup d'argent. Vous allez non seulement utiliser des méthodes de monétisation comme les publicités, la vente des formations ou simplement l'affiliation. Comme vous pouvez le voir, le ChatGPT m'a vraiment généré du bon contenu. Maintenant, je vais lui demander de me faire une conclusion avec cet article. Fais-moi une conclusion. En conclusion, la natation offre une multitude de bienfaits pour la santé et la forme physique. En plus de renforcer et tonifier l'ensemble des muscles, elle améliore l'endurance. Il m'a généré une conclusion en quelques secondes seulement. Voilà les gars, ça c'est extrêmement un outil qui est puissant. Et que si vous utilisez votre cerveau un tout petit peu, vous allez générer énormément d'argent en l'utilisant tous les jours. Ça, c'est une idée simplement. Et vous voyez bien ici que je peux encore une fois réutiliser la même stratégie que j'ai utilisée pour générer le contenu de cet article avec les autres idées d'articles. Vous pouvez encore lui demander de vous fournir 15 autres idées, 20 autres idées, 30 autres idées. Parce que le ChatGPT, il a une capacité de répondre à des questions infiniment. Donc voilà, ça c'est une première idée que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec le ChatGPT. Rappelez-vous, je vous ai dit, plus vous êtes précis avec le ChatGPT et plus vous avez la chance d'avoir des réponses qui sont aussi précises. Maintenant, l'autre façon de gagner de l'argent avec le ChatGPT, c'est de venir ici au niveau des Upwork. Vous avez des propositions de travail. Avec cette activité, par exemple, Social Media and Community Manager, vous avez la possibilité de gagner entre 7 et 20 dollars par heure en utilisant le ChatGPT. Qu'est-ce que le travail consiste à faire? Vous allez tout simplement devenir quelqu'un qui va gérer les pages Facebook et les pages Instagram, les comptes LinkedIn, TikTok et Pinterest. Donc, en tant que community manager, je peux utiliser le ChatGPT pour répondre aux commentaires en le copiant pour venir sur le ChatGPT et lui demander de me donner une réponse courte à ses commentaires. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Sur Upwork, vous avez également la possibilité de devenir copywriter, d'écrire des newsletters, même si ce sont des choses qui sont en anglais. Vous avez la possibilité de demander au ChatGPT de faire la traduction. Ici encore, avec cette offre, vous avez la possibilité de gagner entre 5 et 7 dollars de l'heure. Si cette personne a déjà dépensé plus de 26 000 dollars pour la rédaction des newsletters en utilisant simplement le ChatGPT en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, il vous suffira simplement de rechercher d'autres offres qui sont en français. Donc voilà, ici vous avez vu, cette autre personne a dépensé plus de 200 000 dollars aux personnes qui se sont occupées de la gestion de leur community. Voici une autre personne qui est à la recherche d'un rédacteur pour le guide à l'art de ChatGPT Prompting ChatGPT 4. Déjà, vous avez les informations ici par rapport à son offre. Donc voilà, ce sont des idées que vous pouvez absolument utiliser afin de gagner de l'argent avec le ChatGPT. Si vous êtes encore au lycée, à l'université, peu importe votre niveau actuel, vous avez cette possibilité de gagner de l'argent avec le ChatGPT.
L'une des façons que j'aime le plus, c'est utiliser le ChatGPT pour gagner de l'argent aussi, c'est de l'utiliser pour générer des contenus YouTube, des contenus vidéo. Ça, c'est très important parce que je pense que la création des contenus avec le ChatGPT est la façon la plus rentable pour l'utiliser. Par exemple, je peux lui demander de me donner 5 idées de vidéos. Donc si cette vidéo atteint les 10 000 vues, je vais vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment faire une vidéo complète sur la création des vidéos en utilisant les outils d'intelligence artificielle avec le ChatGPT et d'autres outils similaires.